Hop, ah oui, tout à fait, ça marche bien. Mieux. Ouais, c'est pas... ouais, du coup, c'est bon, je l'ai. En fait, ouais, je pense que quand t'as démarré ton stream, t'étais pas en plein. Enfin, quand t'as démarré avec le fichier exe, t'étais pas en plein écran et capture de jeu, ce n'est que C'est pour pas les pleins écrans. impossible. Voilà. Qu'est-ce qui se Merci passe? beaucoup. De rien. Même c'est tout bon. Allez, ça vient d'être réglé. Hop là. L'Espagne entre vous. Oui. Pardon, j'avais quelques petits soucis techniques. Oui, je On a sais tout pas si lui. compris. Si l'Espagnol il va rentrer en guerre, je pense pas qu'il rentrera. Parce que ça va être une guerre en Europe centrale, hein, ça. Hein. Normalement, on retrouve ce que j'avais. Non, mais mon jeu était en écran noir, j'étais vraiment ravi. T'as vraiment pas de bol, t'as mon vieux. Sur la Mais capture. crains pas. Hein. Bon. J'avais plein de trucs à faire avec ma religion, moi. Puisque. Ah, tu vas rejoindre la ligue. Attends, t'es protestant Ouais, ou je suis t'es. devenu protestant à la session d'avant. Mais ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce qui va réellement se passer hein, si on choisit Eh ça? bah, va y avoir une grande guerre entre les deux camps. Ouais, bah, ça sera sans moi alors. Bah, t'es dans une des camps, toi, par ton IA, je crois. Ouais, mais Oui, c'est je me suis vrai. relevé. Et Je donc, l'ai retiré. la bohème, tu t'es mis en catholique? Bah, en fait, j'ai. Alors, oublie. La semaine dernière, en regardant, j'ai cliqué dessus, donc je me suis mis dans la Ligue catholique. Et honnêtement, je sais pas si je reste ou pas. Non, je sois, il y a Bah, enfin, l'Espagne si quand tu y même. restes et que je rejoins les protestants, on va avoir un souci à un moment donné, je pense. Enfin, Bah notre oui. alliance sautera du coup par ce fait-là. Du coup, Mais t'es je pas ne sais obligé de la pas. quitter, hein. Enfin, pour l'instant, je regarde qui la rejoint pas. Ah, je me suis enlevé, moi. Je sais pas si tu. Enfin, comment tu. Si tu peux t'en enlever tout de suite. Si, j'ai pu m'enlever tout de suite. Parce que pour être franc, si je suis le seul joueur, ben, s'il Il y n'y a a pas d'autres l'Espagne qui a joueurs, rejoint. ouais, mais s'il n'y a pas de joueurs dans la ligue protestante, je vais pas. Je sais pas si je me retire ou pas, quoi. Après avoir. Ouais, la Pour le coup, politique, c'est beaucoup. j'ai jamais eu cet événement, donc je ne sais pas trop que faire. Est-ce que Je ne sais pas si ça sera une bonne ou une mauvaise idée. Ah oui, non, hop. Il y avait des trucs que j'avais. Si en toute logique, je crois que dans le Saint-Empire, c'est moi le plus puissant. Ah oui, je voulais voir ça. Il a quel âge, l'empereur? Prestige tiré des batailles terrestres plus 100%. Âge 22 ans. Enfin, Fuck. j'attends longtemps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre. Chez toi? Non, non, à côté de chez moi, Wow. Venise. Venise est partie en guerre contre France. Ah, ok. Bah, il faut que je retire L'Autriche l'embargo te de mon roule pays dessus après. en 1v1 si elle reste empereur. Ah, ok. D'accord. Elle. La Frise, elle a qui comme allié là? Clèves, Gueldre, Lübeck, Allier. C'est un peu chiant ça. Ça fait beaucoup d'alliés quand même. Après, Gueldre, Clèves, c'est pas un problème. C'est où Lippe? Ok, merci. Ok, ouais, ça va encore faire plein d'armées contre moi ça. C'est désagréable. Oh, ça c'est bien, ça me fait remonter l'opinion des autres pays. Bon, je me fais insulter, mais écoutez. Je me fais insulter. Ouais, Ouais, tout va bien. tout se passe Je me bien, fais insulter, mais tout va bien. bah, oh. Je pouvais avoir un casus belli contre Magdebourg et puis aller le défoncer, mais l'autre option c'était d'apaiser les tensions et du coup j'ai préféré, ça augmente l'opinion avec tous les autres.
Je vais essayer d'augmenter ma réputation dans les autres pays. C'est bien que j'arrive à avoir un deuxième missionnaire pas trop tardivement. Hop, c'est bon. Annexure, lancement de l'annexion de Passo. Je sais pas pourquoi ça va être long. Il va falloir aller se battre encore. Ah non. Alors, Holstein c'est ici et Schleswig c'est là. Vas-y, 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 vous voulez vous taper? On va se taper. Ah, la trêve avec tous les pays ont on cessé. Ouais, ah bon, on sait à quoi c'est dû, hein, cette... Ah. Oh là là, quel enfer, il y a 18 000 boîtes de dialogue. Ah, toi aussi, tu l'as. Bah, vous faites la, vous faites la touche C. C. S, pardon. C, pardon. Vous faites la touche C, ça, ça les back. Je suis à 38... Non, je suis à 39% d'unité religieuse. Pourquoi tu me dis ça, Vanarak? En plus, je sais même pas de qui tu parles. Quoi? Trompé. Ah, ok. Alors, je n'ai rien vu. Quoi? Ah, je ne vais rien dire, il s'est trompé. C'était pas à moi d'avoir ce message. Il y a l'état pontifico qui va se pointer, quoi. Si je l'attaque là en Hongrie, il y a l'état pontifico qui attaque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur? D'accord. Oui, ouais, après, en même temps, ils sont rien. Bah, si j'attaque la Hongrie, il y a Hospitalier, les Teutons, l'Autriche et les états pontifico. Oh, non, mais tu fais ce que tu veux comme guerre, toi. Je pense que ouais, je non, tu peux, je les éclate tout pareil. Ouais, on est deux. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que je reste ou pas dans la ligue catholique J'ai bien envie de rejoindre la ligue protestante, mais écoute, je risque d'être un peu seul en fait et ça m'emmerde. Je quitte la ligue catholique et tu rejoins la ligue protestante. Ouais, il y a l'Espagne après qui va. Ouais, mais l'Espagne est loin, est-ce que t'as. Parce que. Ah, oh yes, ok, Vanarek, ça marche. Ça m'arrange. Honnêtement, comme je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ouais, je préfère. Ah putain, mais casse les couilles celle-là. De quoi tu parles? Vanarek? Je vais pas avoir de malus si je quitte la ligue catholique. Parce que ça m'indique moi, rien. Moi je l'ai quitté, j'ai pas eu de malus en tout cas. Hop, non, t'as pas trop de malus à la quitter. C'est juste que si tu la quittes pas à temps, t'es foutu en termes de okay, guerre. Bah écoute, je préfère quitter maintenant du coup. Non merci Vena, c'est bien gentil. Un foyer de la réforme. Je peux pas. Putain, mais encore la réforme, elle est encore en train d'essayer de convertir des provinces à moi. Mais c'est vraiment l'enfer là! Ah oui, non mais là, les trucs de saints là, religieux, c'est la merde. Faut non, attendre mais un moment. Hein. Là, ce qui m'emmerde avec le foyer de la réforme, c'est qu'il n'y a plus de foyer de réformés près de chez moi. Et ça s'était arrêté à un moment donné, je me les reprends là, là. Ah oui, non mais. C'est parce que c'est l'époque qui veut ça. Parce c'est que les c'est quoi? L'ère de la réforme. Ah parce oui. Que c'est l'ère de la réforme. Et c'est pour ça. M'emmerde, m'emmerde. Faut attendre. Mince, j'ai. Ah non, c'est bon. Ouais, je vais l'adopter. Allez, hop, ça me coûte de l'argent. Mais... Je peux te dire que là, ça convertit quand même à tour de bras chez moi. Ouais, et puis ça doit te coûter tellement d'argent, quoi. Bah, c'est surtout le coût. Le coût mensuel, quoi. Ouais, le coup des... Voilà, j'ai fait les. Enfin, je fais les provinces les plus chères et j'ai systématiquement, tu sais, j'ai un foyer de la réforme protestante qui convertit petit à petit aussi gratuitement. Comment ça avoir un pays qui ressemble à quelque chose, hein? Ah, ben oui, t'as un. Ouais, j'avoue. On va savoir pourquoi j'ai deux pauvres territoires perdus au nord qui, eux, sont passés protestants très vite. Et les réformer, et puis réformer, je pourrais pas les bouger avant je sais plus combien de temps.
Moi, ça m'inquiète un peu parce que la France a été, elle a attaqué Venise. Pas trop chaud non Je crois plus que j'en ai pour aller pour chez jusque dans les Venise. années. Ouais, c'est ça. Quasiment les années 1590 pour Je plus y pensais que tu avoir de allais soucis. jusque dans les années 80. Je pense que les années 580, c'est les années où je pourrais convertir le plus vite, mais. Mon roi, il a 64 ans. Oh, oh là là. Pourquoi j'ai un truc de merde comme ça, comme héritier? Tronc de lag, je sais, j'ai pas. Y a des endroits, je sais plus où ils sont en plus. Des états pontificaux. Hop. Sachant que mon héritier, c'est un. Ah, c'est un 2-5-6. J'ai encore 9 ans avant de le laisser abdiquer. J'en suis 3-2, je peux pas vraiment. Mille sept cent vingt jours pour construire un domaine foncier, quoi. Pouah. Bon, Hambourg est allié à qui actuellement? la trêve a fini, je me suis pas pris de Thuringe, Savoie et coalition. Lübeck. Ça Va le encore. taf. C'est chiant Ouh, Trône de Lag a été converti. parce que j'aurais bien attaqué Brandebourg moi, mais bon. Il va falloir se reconstituer un peu d'économie. La Grande-Bretagne et la Russie sont en succession contestée. Allez. Oh tiens, la Bourgogne elle est toujours vivante. Oh, lol. Petit bourguignon. Allié à Hospitalier, Orthotonique, Autriche et État Pontificaux. Bye. Voilà, l'orthotonique, il ne reste plus qu'un territoire. Bah tu sais quoi, quand je déclarerai la guerre, je t'inviterai à tirer à les attaquer alors. Ils doivent quoi? Peut-être avoir, allez, 5K peut-être? Non, ils ont 2000 hommes. Ah ouais, bah tu vois. Fâcheux, hein. Moi il y a beaucoup d'alliés chez les autres cocos là. Ah puis ils viendraient tous quoi, Clèves, Kiel, Lübeck, Lippe. Encore me battre pendant 150 ans contre ces types quoi. Ok, Et Hambourg c'est quoi? vas-y tu. Ah oui, si je déclare la guerre à Hambourg, je prends forcément Thuringe, Savoie et Lübeck. Je prends l'Autriche. Et là. Oh, c'est chaud quand même. Tu voulais attaquer qui? Hambourg, j'aimerais bien prendre le fort là Ah d'Hambourg, oui. comme on avait parlé. Et du coup, j'ai forcément l'Autriche qui attaquerait. Plus Thuringe, la Savoie et Lübeck. Bon, autant Lübeck, je m'inquiète pas trop parce que je leur roule dessus d'entrée de jeu. Autant les autres. Alors attends, je regarde de. Alors. Parce que si moi je déclare la guerre à Hambourg,
et que je t'invite dans la guerre, je pourrais te filer les trucs. Et moi, je prendrais des territoires chez Thuringe, par exemple. Mais le souci, c'est que j'ai peur de me prendre une coalition derrière. Ouais, non, non, mais pour l'instant, j'essaie surtout d'attendre. Et je pense qu'il y a. C'est quoi ça? Ah, je suis déjà à 60%, c'est bien ça. Ça monte vite. C'est cool, je chope des points d'innovation. Par contre, mon institution, je vais peut-être pas la passer tout de suite, quoi. Laquelle est l'institution? La presse imprimée. Ah, moi je suis au commerce mondial. Hein? T'es Pardon, commerce pas. mondial. Tu dois être à la presse imprimée. Apparemment. Enfin, si Ouais, tu non, c'est l'as la presse entièrement imprimée. adopté en presse imprimée, hein, mais. Si, si, je l'ai adopté en presse imprimée. Ah, j'ai la prise de la griffe. Du thé et du sucre. Ce sera Narva. Fin de la guerre des paysans au Mali.
C'est des teams qui a des revendications contre moi, ça va leur jouer des tours. Hein. D'accord. Chérie, je viens de. Je viens de comprendre. Tu viens de comprendre quoi? Un message. Le message de Vanarai de tout à l'heure. Tu penses qu'il vend à Stettin pour être contre moi? Oh, moi je dis rien. C'est juste que maintenant j'ai compris le message qui n'était pas pour moi. Mais du coup, Vanarak, ce message, juste comme ça, il était pour qui à la base? Je suis curieux maintenant. Ah, il s'en rappelle plus. Ah mince. Il y a une énorme guerre là. Pourquoi il fait... J'ai vu aussi. Une énorme guerre entre qui et qui? Ah, mais c'est. Attendez, c'est... ça serait pas la guerre de. Si, si. De, la... de Saint-Empire, si. Ah, je... Oh oui, c'est la guerre de Ligue. J'étais en train de. Je me dis, c'est bizarre, Brandebourg, il est en guerre contre masse de gens. Allez, bon, peut-être un petit peu la guerre. Mais ça veut dire que là. Il n'y a plus que la Savoie et Lübeck. Parce que l'Autriche n'aura pas le temps. Moi je vais déclarer la guerre à Brandebourg très vite du coup. Ben moi je vais déclarer la guerre à la Hongrie aussi alors. Enfin, je vais aller voir ça selon, j'arrive. Ouais. Venarak, je pense que c'est le bon moment là pour déclarer la guerre au pays que je veux, non? Ah, je refuse l'accès à mon pays, à tous les pays. Non, vous ne rentrerez pas. Parce que là... Par contre, c'est le bon moment pour aller taper. Hein. Ah bah... Ouais. Écoute, regarde si les pays sont pas en alliance à cause de la Ligue. Ah... Non, mais moi, ça me met qu'en bourse, si je lui déclare la guerre, ses alliés standards, ils veulent plus. Même Thuringe? Il y a qu'un allié qui veut et c'est pas Thuringe, enfin tous les autres y refusent. Hop, et je veux celle-là. Vona, non pas Vona, la Bohème. Oui, j'arrive. Est-ce que tu veux faire la guerre à la Hongrie? Oui, bah je vais rentrer en guerre avec vous, hein, je pense. Hein. Ok, bah direction salon. Paradoxe interactif incessamment sous peu. Ok. Ah non, ouais. D'accord. Si je veux attaquer Brandebourg, Si j'attaque Cambourg, la seule défense qu'il a, c'est. Tu peux nous rejoindre. Ok. C'est ouais, la seule défense qu'il a, c'est Lübeck, et Lübeck n'a pas d'hommes actuellement. Ok. Puisqu'ils sont partis en guerre, je ne sais où. Du coup, je vais voir avec c'est ça, je reviens. Ouais, ça me va très bien. Hop. Je dois voir là, ouais. Le foyer, donc c'est très bien. Arriver là. Le problème c'est que la Frise elle a encore plein d'alliés et l'Autriche accepterait. Que pour Hambourg il n'est pas question de les défendre. Ah Thuringe je viendrai. Oh. Essayer de faire sortir Lübeck très vite de la guerre.
serait parfait de sortir Lübeck. Je sais pas trop où est Thuringe dans ce... siège. On fait tomber Hambourg, on récupère Hambourg, on éjecte Lübeck vite de la paix. Qu'est-ce que c'est que ce bazar en vrai? Là, j'aurais bien besoin. Il faut que je récupère du prestige vite. Se faire bizarre à lui que quand je vais revenir chez lui, j'irai bien après de taper Thuringe, mais moi, je se sens ouais. Ils sont pas en guerre, mais ça a pas l'air de bien se passer pour autant. Hein. Bataille pour notre flotte. On n'y a pas laissé de navire. Par contre, on lui a coulé sa flotte. Et là, Lübeck vient d'y laisser des plumes fortes. Il lui reste encore quelques navires, mais. Juste aller. Faire réparer un peu la flotte pour nos caracs. Sachant que en termes de flotte, on pourra avoir des nouveaux navires. En termes de tech, on va pas passer tout de suite des techs. 1010, oh, c'est énorme. Pologne qu'occupe ça. Oh, ils sont sérieux. Ils ont vraiment leur armée là-bas. Je vois bien où ils sont. Une de mes armées. J'avais pas vu que j'avais une province qui était prise. Je vois que ça laisse complètement traverser. Sans se poser de questions par chez moi.
Après, ouais. Il va avoir une grosse déception quand il va me voir arriver. Parce que je vais vite sortir Lubeck de la guerre. Lubeck aura pas combattu. Très bien. Hop. Comme province de converti chez moi. Allez, ça va être un peu plus lent, mais on va le faire. Sans la fuite. Allez, je peux ramener après 23 000 hommes, couler la flotte de Lubeck dans la foulée. Et terminer la flotte d'Hambourg là. Avec ces 23 000 hommes, il va m'emmerder, je pense. De Lubeck est remporté. Faire une demande de paix à Lubeck, on va lui demander. Juste. Non, t'as pas quand même. Petite réparation. Juste réclamer un peu de Duca quand même. Hop. Voilà, tac. Couler la flotte en bourgeoise. J'espère que mon armée tienne. Il goûte un petit peu hors du territoire. Bon, ça devrait passer. Ouais, le jet de dés avec moi. Quand même, voilà. Comme ça, Thuringe s'empale sur moi. Puis Thuringe s'empale fort sur moi. Hop, tac. On récupère ça. On coule encore des navires. Ouh là là. Alors, j'ai là à continuer à convertir. Alors. J'ai 23 000 hommes qui se replient à Réval. J'ai les 20 000 ici qui vont à Hambourg. Allez, continuez. J'ai pour le respect, hors de question que l'on parle français. Alors, est-ce que Hambourg est prêt à jouer la paix? Ouais, je prends salement l'expansion agressive. Putain. Parfait. On est revenu en prestige de manière pas dégueu. Qu'un rival. Une Espagne, une Bohème. Ah, c'est chiant. Je sais pas trop qui mettre en rival pour l'instant. Attends un peu, mais ça va venir.
l'amélioration là, voilà. Ouais mais non là faut que j'attrape quoique avec ma tech. Sétissement manuel plus 1, modificateur du coup moins 10, en stab on est à plus 2. Hambourg, Schlingen, Russie. Bon, on va commencer par faire ça déjà. Puis on va aller désarmer nos forteresses. Économiquement on devrait être bien. Plein de navires à changer. D'ailleurs, il faut que j'améliore 10 navires pour tout passer en galère de combat. Et ensuite, on va avoir à farmer un peu d'hommes. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, on est à 50. Ici, on était à 12 et 17. Enfin, une carac. Deux caravelles qui nous fera 13 et 19. Et voilà. Continue à faire de la conversion en masse. Sont là, clairement, moi c'est conversion à plein régime. 60% d'unités religieuses. Le foyer devrait pas tarder à convertir dalle. Ouais, ça va aller vite. En institution, on a dit que ça coûtait cher. 894. Ouais, je vais attendre un peu, il va falloir que je la passe vite. Cette institution pour. Ah oui, mais Venarag, t'es tout seul avec moi. Du coup, j'ai réussi ma prise d'Hambourg. Ouais, ça marche. Et non, j'ai plus de possibilités de rival. C'est fini. Hop, alors, j'ai deux hommes là-bas, deux là. Il faut que j'économise.
Regarder un truc sur mon gouvernement. C'est là. J'ai toujours mes mariages. Ça doit être lui. C'est comme ça, je récupère peut-être le prince du Nord Crimen. Bon, ça donne quoi du coup la guerre? C'est que je peux pas déclarer la guerre à la Frise tout de suite. Il y a encore beaucoup beaucoup d'alliés. Ça peut être plus calme. Religieusement, on commence à être bien. Récupérer mon nœud. Normalement, je suis censé être la cible d'une coalition. Est-ce que dans mes missions y a... C'est ouf ça.
Je peux pas former du coup. Sterburn, il a mis la Grande-Bretagne en rivaux. Et il a l'Ottoman, le Russe, l'Autriche. Je pourrais mettre l'Espagne, ce serait rigolo. Hello, hello! Salut, ce slan. Comment va? Ça, ça va. Se passe bien? Ben, ma foi, oui, on fait comme on peut. Ah, bah écoute, c'est le plus important. Bon, bah moi, j'ai remarqué que le Venise a changé de couleur, hein, un bleu un peu plus foncé, il me semble. Non, c'est bien joué de sa part. Donc, très honnêtement, je me doutais bien qu'il allait prendre l'Italie. Le nœud de Venise était indispensable. Bon, on a. Je me suis efforcé de le contrer au mieux, mais bon, il a été plus rapide, tant pis pour ma gueule. C'est comme ça. Et puis, quant à Monsieur Von Arag, s'il a des trous de mémoire, je peux lui envoyer mes médecins personnels. Voilà. Donc, en ce qui concerne le fait que je t'ai mis en rivalité, ça n'a rien à voir avec Venise, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Personnellement, je me fais une raison. Je ne comptais pas du tout la prendre. Parce que j'ai bien compris que, de toute façon... Il y avait des intérêts personnels que je ne serais pas capable de défendre. Des petits intérêts, on va dire, pas forcément turcs. Donc, je n'ai pas eu de choix. Soit je mettais le Mamelouk, ou soit je mettais... Bref, il ne restait que deux joueurs. Le seul qui était potentiellement valable en tant que RP, c'était toi. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, l'affaire de Venise, c'est réglé, il n'y a pas de souci. S'il y a moyen de poser carotte, eh ben, écoute, on verra ça dans les dernières séances, hein, histoire de partir en beauté sur une guerre mondiale, pourquoi pas. Ce serait sympa. Mais moi, pour moi, c'est réglé. Allez, bonne continuation. Salut. À plus. Je connais pas les compos non plus. C'était Tine.
Là, l'Autriche, elle est grave motivée pour rentrer dans la guerre et du coup, si j'attaque la Frise, j'ai Kleve, Gel, Lübeck et Lippe qui me viennent dessus. Ok, Lübeck est pas absolument pas un problème et je l'ouvre en deux, mais c'est comme la dernière fois, je vais m'embourber encore dans une guerre qui va me prendre 18 ans. Quel message aurais-je Bah compliqué. Enfin, du moins, ça fait beaucoup d'ennemis en fait qui sont tous très chauds pour m'attaquer quoi. Je comprends pas en fait que dans la guerre, genre Geldre et tout, Geldre est en guerre contre Hollande. Ils sont toujours à zéro la guerre en score de guerre. Sur la guerre des ligues, j'ai l'impression que ça avance à rien. Plus, je pense que ce que je vais faire, je vais attaquer la Frise assez vite. Et j'espère que je vais pouvoir maîtriser. Lol. Chiant. Chiant. Sachant que je vais avoir besoin de calmer quelques pays autour. Que j'ai déplacé mes flottes, je vais tenter et puis je vais voir. Je devrais pouvoir la vassaliser dans pas trop trop longtemps. Après, le truc, c'est que j'ai aucun casus belli contre elle.
Ouais, je sais, mais Lübeck, je lui roulais dessus la dernière fois. C'est pas Lübeck qui m'inquiète, c'est les quatre autres plus l'Autriche en fait. Parce que l'Autriche, elle va vraiment, vraiment me faire chier. Tu voudrais que je déclare la... Ouais, mais la dernière fois, j'y ai tenté quand elle était juste une alliée de je sais plus quel pays. Et ça avait pas marché. Parce que du coup, fallait un score de guerre supérieur à 100% et... Deux! C'est la paix! Et du coup, fallait un score de guerre supérieur à 100% et du coup, ça l'avait pas fait. Ouais, ça m'arrange moyennement en fait. Parce que ça veut quand même dire à un moment donné que si je déclare la guerre à Lübeck, faut que je fasse quelque chose de Lübeck. Et du coup. Même si je peux vassaliser Lübeck aussi d'ailleurs. Je suis pas sûr de pouvoir vassaliser la Frise comme la dernière fois où c'était ils étaient des alliés quoi. En fait le seul adversaire vraiment chiant c'est l'Autriche. Avec les Lübeck rejoindrait pas là. L'Asgeldre et l'Autriche pourrait vraiment m'embêter. Ouais bah oui du coup je me tape tout le monde en fait, autant attaquer que la Frise du coup. Après l'Autriche est en guerre contre la... Pourquoi elle est en guerre contre la République des Deux Nations? Oui c'est qu'elle doit... Oui, c'est ça. Ah ça peut être le bon moment du coup. Bah écoute, on va passer de l'entretien entretien militaire à fond. Ça me fait chier, je perdrais trop de points là-dessus. Par contre, je convertis vraiment à tour de bras. Hein. J'ai hâte de voir la future nouvelle code, la Bohème à la fin de la guerre. Par contre, Vanarak, tu saurais me dire si la... Si la guerre... si je pupette la Frise, je risque une Koa ou pas? Je suis pas trop embêté hein, mais juste que je me dépêche à avoir un casus belli contre eux quoi.
en termes de dev, je suis à 470. Et... enfin... je suis 375 du score de grande puissance et 444 le... et en bourré légitimé. L'Autriche est toujours elle est plus en guerre du tout là. Je sais. Je pense, Honorak, que je vais te demander de l'assistance en ce moment-là. Parce que là, ça fait Autriche, Clevegel, Lübeck, Lippe. Lübeck, je peux la faire sauter quasi tout de suite. Lippe, je peux aller assez vite, mais elle sera à mes frontières. Juste à checker la frise. En Grande-Bretagne, il est en guerre contre qui, qui est dans ses guerres coloniales. La Frise, il a 7000 hommes. Je fais monter ma maintenance et je déclare la guerre. Je mets ma maintenance à fond, je déclare la guerre direct après.
ça se plaint encore ici. Hmm. Je disais ça se plaint encore. Ça se plaint pas trop, non. Je suis en train de préparer une guerre, mais... Ah, contre qui? Nous, on vient de la finir. Je vais m'occuper de la frise. Qui me cause quelque chose. J'ai pas entendu, contre la frise? Oui. Ah d'accord, oui, la frise, ok. Il va faire des frisettes. Pourquoi tu veux partir contre Freeze? Je veux protéger des nœuds de commerce. Ah, oui. Je veux pas prendre les territoires, hein. Je veux juste protéger des nœuds de commerce. D'accord, oui. C'est parti, hein. Je t'appelle dans le doute, Venarad. Il y a 45 000 hommes sur mes territoires de la part de la Russie. Non, non, j'ai vu deux armées là. J'en ai deux qui sont chez moi. 2 × 45. Ouais, je vois ça. La guerre de religion a fait sauter mon... bâton pour l'Espagne. Ah. Pourquoi le retour de bâton? D'accord. Voilà. Pourquoi Vanarek, le petit retour de bâton? C'était peut-être pour pas pour moi. Encore une fois, je pense que Vanarek s'est trompé. Non. J'ai hâte de voir la future. Eh ben non, j'ai pas de quoi, Venarek. Je suis encore. Non, il a pas de quoi. Il a pas de quoi. J'ai bien regardé. Ouais, Venarek, je pense parce que tu m'as envoyé petit retour de bâton pour l'Espagne et je pense que ça ne m'était pas destiné. Comment ça une conversion? Il a 30 000 hommes. Un peu plus que ça, même. Ah, ça y est, je commence à être Comment ça, j'ai une protestante? Ah oui, c'est normal. Oh là là, la guerre s'est trop bien passée. Je sais pas si ça saigne l'Autriche, mais il va être à mes portes. Bonjour. Bonjour, Marlex. Bonsoir. Je vais parler avec le Suédois, Sioux. Oh, tu peux me parler. Bon bah, allons. Attends deux secondes. Je pense que le truc avec la prise, ça lui plaît pas. Ouais, il va pas aimer, mais bon, il va devoir se débrouiller. Oui, c'est moi-même. Bonjour. Que puis-je faire pour toi? Et je sais qu'on a eu nos différences dans le passé. Oui. Et je pense que... Proche, non? Que? Qu'on peut outrepasser nos relations houleuses du passé. Tout dépend. Est-ce que c'est un problème parce que tu vois... à cause d'une certaine approche que j'ai vis-à-vis de la frise? Bon, en frise? Ah non, ça je l'avais même pas remarqué d'ailleurs. dis-moi alors du coup, que souhaites-tu? Vu qu'on est tous les deux protestants, hein, la même chose. Oui. On pourrait se rapprocher mutuellement. Ça peut être envisageable. Quelles actions tu prévois toi dans le futur? Pour l'instant c'est en dehors de l'Europe. Oui, j'ai cru voir que tu avais une formation de colonie vu que tu as des guerres dans des endroits que je ne connais pas. Et que tu as l'air de t'étendre pour faire ton tour du monde. Oui. Est-ce qu'un mariage royal, ça vous irait? Ça, on peut s'entendre sur un mariage royal. I know.
d'autres. Très bien. Eh bien, monsieur, si est-ce que vous avez d'autres choses à voir avec moi ? Oh, si on pourrait se rapprocher diplomatiquement. Bah, le mariage royal, dans un premier temps, me convient. Eh bien, excellent. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus à voir autre que ça. Quelles sont vos relations avec votre voisin russe ? Très bonne. Bah écoute, comme le montre notre diplomatie, on est plutôt de bons alliés. Et on s'entend facilement là-dessus. Très bien. Nouvelle à entendre. Donc monsieur ait de la chance dans ses futures guerres. Et dans ses guerres actuelles. Merci bien. Ça doit être je sais pas, Pays-Bas. Ça, vous avez pu négocier là. Oui, oui, rien de bien méchant. Notre cher ami souhaitait qu'on s'entende sur un petit rapprochement par mariage royal. Donc, moi, j'ai vu que Venerac il avait refusé le mien hein, de mariage royal. Hein. Heureusement que j'ai pu me débrouiller tout seul. Hein. Pareil pour le français. Hein, Donc je m'entends avec lui, notamment parce que c'est un bon protestant. Ah, c'est vrai, il est devenu protestant ? Oui, il est anglican, c'est un peu un réformé. Anglican, ah oui. C'est quoi ça ? Anglican, c'est la réforme... Ah, c'est la réforme anglicane. Okay. En gros, je crois qu'il n'y a que moi qui n'ai pas le droit de changer de religion dans tout ça à cause de la règle du Saint-Empire. Allez, hop. Bon, j'en ai fait sortir un. Je gagne des batailles, hein, mais... Il y a les états pontificaux, il y a Cologne qui a décidé de s'y mettre. Ils sont nombreux à cette mi... dans l'idée de m'embêter. Je vais faire ça. J'ai fait sortir l'Autriche par la paix. Je vais peut-être essayer de faire sortir Cologne aussi. Qui est pas trop chaude. Oh, je peux côtoyer. J'ai un cardinal. Oh là là. Non, ça doit être ici, ouais. La caracole. Ah oui, non, mais j'ai accès à Venerac. Si c'était pour moi, encore une fois. Mais. Tiens, je vais augmenter ma réputation diplomatique grâce au Saint-Siège. Paf! Ça y est, tout le monde va m'adorer maintenant. Venarak, je vois ce que tu voulais me demander en fait. C'était l'accès militaire. Je suis désolé. Je t'ai dit oui. Et je pensais en fait que tu me parlais d'autre chose. D'accord, bon, alors, donc, ok, donc j'ai refusé le libre passage parce que j'ai pas fait gaffe, et au lieu de ça, et du coup, nous a accablé d'outrage, ok. Est-ce que, Venarag, vu que t'as Cologne chez toi et y a le Silet, je ne sais pas comment se passe, si t'as des troupes qui sont restées proches de ton territoire ou pas.
Bah écoute, Venrak, vu le message que j'ai là, hein, roi lecteur, ces racailles de Russie nous ont accablés d'outrage, hein, c'est ce qui est marqué. Bah compte pas sur moi pour accepter des libres passages. Hein, bah, si je refuse et que derrière tu m'insultes, je veux bien être gentil, mais bon, si c'est pour me faire battre derrière, surtout que je t'ai dit que je l'avais pas fait exprès. Je croyais que tu me parlais d'autre chose, en plus. Je pense que je vais les virer là, les territoires, là, tout ce qui est Gueldre, Clèves, là. Ou alors c'est un malentendu, je ne sais pas. Bah écoute, honnêtement, je pensais que tu parlais de quelque d'autre chose. Parce que je. Voilà. Bon, mais après. Ah, voilà. Si derrière, c'est. Si. Tu me crois pas et que tu m'insultes, bah écoute, ne viens pas Ça va se finir demander en guerre. des. Oh, ça ira pas jusque-là, je pense pas. Mais. Qui me demande pas d'accès militaire, du coup, maintenant. Bah écoute, j'ai pas fait exprès, et puis après il m'insulte, ben. Du coup, la prochaine fois, je refuserai aussi. La deuxième fois, j'accepterai. Juste pour le principe. Le mec chiant. Finalement, je vais jouer l'avocat du diable, mais dis-moi, le bohémien, est-ce que tu comptes refaire l'Allemagne ou pas? Bah, j'ai rien pour faire l'Allemagne en fait. Hein. C'était juste de se dire que je comptais reprendre un peu les territoires allemands, mais sans plus, ça te va 10 ans. Je prends ça. Puis là, vu comment c'est parti, ça va être difficile pour moi de faire un peu ce que je voulais faire, quoi. Merde. Après, je vois pas pourquoi tu te dis de faire l'avocat du diable, hein, bah, bah. Je veux pas. Ah tiens, Oh, ça monte jusque-là, ça. la division Hein, de l'Orient. Oui, ça commence à être moyen chaud pour eux. Cologne n'est pas chaude pour une paix non plus. La frise, elle en est où? Elle a toujours pas envie. Ben on va faire tomber Geldre. Quand c'est avancé. Boum! Moins 25 du cap par mois. Je suis passé grande puissance quand même. GG.
Oui, je Alors voyons voir, le premier c'est le Mamelouk, la Grande-Bretagne, la France, l'Ottoman, Ming, République des deux nations, Russie, Suède. Et moi je suis. Ouais, je pense que j'en suis loin. Je suis pas forcément très loin de la Suède. Alors, en tout cas, je suis plus proche de la Suède que de la Russie, par exemple. En vache, la Grande-Bretagne, elle colle le Mamelouk hein, Mais au niveau avec, score. avec sa colonisation, elle a raison. Bah, pareil hein, pour la France. Hein. La France, elle est pas si loin. C'est marrant ça. Parce que le français il a des colonies, non? À mon avis, t'as commencé à en avoir, ouais. Ouais, mais j'en vois pas. Où est-ce qu'il aurait pu coloniser? Ça c'est quoi ça? Ça non, c'est pas une colonie française. Non, pas une colonie française. Ça non plus. Oh, c'est tendu En comme Afrique. guerre. Suce aux hérétiques. Ah! Tout à fait, Chris-moi. Suce aux hérétiques. Attends, est-ce que ça par hasard, ça serait pas. Botons ces hérétiques Non. hors de chez nous. Non, apparemment, c'est pas une colonie. Ah, ils veulent toujours pas la paix. Hein. Je pense Eh que. ouais, eh non, il a pas de. Alors peut-être en Inde, du coup. On a éjecté Cologne. Si je peux éjecter les états pontificaux, les derniers, je m'en occupe à la main. Merci, Van Araken, je l'avais pas vu. J'avais fait sortir l'Autriche. Là, je vais sortir Geldre et Clève. Et il me restera Silet qui doit pas être bien loin. Comme menacé. La Cologne, elle a pris 2-3 branlées, ça doit commencer à lui faire tout bizarre. Qu'est-ce qu'il a encore, Caillou? J'ai bien envie de virer les territoires du Saint-Empire que j'ai conquis côté Danemark. Je parle pas polonais ici. Ah, le Silet, c'est cette petite merde en bas là? Terrible nouvelle. Ah, je peux pas pour l'instant, je suis en guerre. Mais je le ferai après. C'est pas comme si l'Autriche avait des casus belli. En tout cas, non, t'es en là, je vais me taire. Tu voulais dire quoi? Non, t'es en live, donc voilà. On reste à ce point-là? Un peu porté sur le cul, on va dire. Ah bah super. Par rapport à Caillou. Par rapport à son pays. Alors, Galdabris affaissé va nous donner toute sa thune. Elle va lâcher les réparations de guerre. Voilà. Hop, alors attends. Il faut dissoudre l'alliance avec l'Ottoman. Hop.
Comment ça, faut dissoudre l'alliance avec l'Ottoman? Bah, j'ai dû faire une alliance avec l'Ottoman pour attaquer la Hongrie. Bon, Vonarak, j'améliore les. J'améliore le comment les relations entre nous. On a sorti les états pontificaux. Ça, si t'as besoin de redemander un libre passage, tu pourras. Tips, ça devrait arriver très vite. Ah ouais, d'accord. Je peux. Je peux prendre des territoires. Hop, okay. Lip, c'est sorti. Il reste Silet, Clève, je viens de les faire tomber. J'améliore jusque. Même j'en suis un. Ça c'est bon, donc je vais pouvoir compléter. Tiens, soin. Oh yeah, oh yeah. Y'a que Silet qui va pas vouloir. Parce que. Allez, viens. Re? Qui c'est qui écrit re comme ça? Bah, c'est Cesselan, voyons, tu reconnais plus ma voix depuis? Non. C'est l'Ottoman. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Cesselan? Bah, je veux discuter avec Vona, dans le meilleur des cas 5 minutes, sinon ça risque de durer un peu plus longtemps. Tout en sachant qu'il vous reste à peu près 20 minutes. Allez, j'espère que ce sera suffisant. Hop, ça y est. Allez, Vona, vas-y. Allez, à plus. Ciao, ciao. Hop. Tac, ça. Ah bah c'était aussi. Ah, vu qu'on est tout seul, Black. Oui. Quels sont tes projets envers la Grande-Bretagne? Pour l'instant, on est des bons copains. Il a arrêté d'envoyer des flottes au nœud de Lübeck. Ouais. Ah, attends. J'ai besoin de faire en sorte. J'ai besoin d'apaiser un peu. J'ai besoin pour l'instant de pacifier un peu la Frise. Et du coup de. Ça, c'est... J'ai mon pupette à ce niveau-là. Il me reste plus tant de provinces que ça à valider. Et il faut que ce niveau-là. Hop. C'est moi qui vous le dis. De quoi? C'est Skyeux qui me disait. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire en fin de partie? Comment tu vas t'étendre? Poser 36 000 questions là, je dis bah tu verras. Oh.
Tu verras. Ta, 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 ta. Bon, moi, faut que j'arrive à... Puissance, ensemble du vassau, opinion, logique, confiance, non. Je dis le total de développement. Conquête d'un empire. Ouais, pas du... J'ai commencé... Hop, là. Oui. Mes petites flûtes vont aller là. Si vous êtes réparés, on repart protéger notre commerce. Sacré caillot. Et ben, je vais finir mon état de la Poméranie, du coup, la prochaine fois, c'est Stettin qui va prendre. Ouh. Carrément, il va prendre. Ah oui, 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 attends, il y a un moment donné... À un moment donné, il faut sortir les deux du popotin, hein, comment dire. Re, mon petit Vona. Merci bien. Re. À votre avis, si j'attaque une dépendance de la France, urgent ou pas? À mon avis, oui. Essaye, tu verras. C'est même une certitude. Hein. Ouais, mais ouais, pourquoi il a une dépendance ici? Quelle dépendance il a? En Bavière. Au Palatinat. C'est juste sur mes frontières. Au Palatinat, tu dis? Ouais. Bah, je sais qu'il l'a depuis longtemps, le Palatinat en vassal, pour faire chier l'Autriche notamment. Ah oui, parce que là, c'est pourquoi faire très chier l'Autriche? Bah, parce que ça lui permettait de. Ouais. What? Ah. Oh! Ottoman de Russie contre Ottoman, c'est une guerre. Ok, ben, j'arrive. Quoi? Ah merde! Je crois que j'ai une coalition contre moi en plus. T'es en guerre contre l'Ottoman? Je sais, je suis allié aux Russes. Bah, moi aussi je suis allié aux Russes, mais j'avais un accord avec l'Ottoman. Ah, comment ça se fait que. What? Pourquoi? D'un coup comme ça. Ouais, surtout qu'il prévient, surtout que le Russie, la Russe, tu préviens, enfin Vona, tu préviens pas quoi. Attends, non, ça m'arrange pas du tout. Bah, mais soit tu rejoins, ouais. Soit tu ne rejoins pas. What? Après là, je suis pas forcément. Attends, ah non, le Mamelouk a quand même. Ah non, même pas. Je suis pas forcément fan là, le fait est que Russie, France, bah et toi, mais toi t'as été pris de force, je pense. Bah t'as pas forcément demandé ton avis ici. Voilà. De quoi? Alors, non, moi pas demandé mon avis, mais. Ah, excusez-moi, je suis fidèle à mon allié personnel. Apparemment, je peux pas te l'exiger en guerre. La cause est pas bonne. Donc, par la guerre, c'est pas possible de te faire casser ton accord. Mais ce que je peux faire, c'est faire la guerre directement à l'Irimeti. T'as brisé ton alliance, Sterbjörn? J'ai rien fait, je savais pas quoi faire, donc du coup ça a choisi pour moi.
Ça a choisi pour moi. C'est vrai, j'ai fait humilier, c'était la seule cause que j'avais dispo sans te foutre trop dans une merde. Pas possible. C'est en fait, grosso modo, c'était la seule cause que je pouvais faire. Moi, je te propose la paix, j'attaque directement l'Iremeti pour régler le problème. Ok, bon, bah, moi, j'ai rien dit tout à l'heure. Hein. Parce que j'avais dit que c'était pas très sympa d'attaquer l'Ottoman à plusieurs comme ça, ben. Mais non, c'est. Ah, mais ça tchatche, hein, putain, ça tchatche dans le dos. Écoutez. Non, mais quand je. Ah, mais c'est une balle des lampes de pute, hein. Putain, ouais, je... Okay. Ouais, je me suis dit, je te fais la paix, Vona, et on essaiera de régler ça pendant la semaine. Là, c'est un peu tard. Okay. Ça va être trop short. Du coup, je n'ai rien dit, moi. Bah, surtout okay. Que j'avais. Ouais, non, laisse tomber. J'ai la circassique chez moi. Bon, faut que je revienne chez moi maintenant. Merci, Vona. On essaiera de se trouver un moment cette semaine pour régler ça. Là, dans l'immédiat, mon expérience personnelle n'est pas assez évoluée pour faire ça. Désolé du dérangement. À plus tard. À plus. Ciao, ciao. Du coup, la Suède, sache que si ta coalition vient à dégénérer, la Bohème viendra aider. Tu m'en feras ravi. Alors, rejoindre coalition. Non, mais, ah oui, surtout que bah, comme la Suède a rejoint la coalition qu'il y avait eu contre moi. Il produit quoi? Du sel. Après, je dis ça, mais je pense que tu risques pas forcément grand chose si. Attends, c'est quel pays? Strasbourg, Aix-la-Chapelle. Ouais, c'est tous les petits pays du CERG. Voilà. Bon, après, ça commence à faire. Sachant qu'en plus que si je veux attaquer la Poméranie, je vais me retaper, je pense, une petite. Petite quoi. Et du coup, je t'ai pas regardé l'émission. Juste... Oh Mangbourg a perdu quelques. Ouais, la guerre des ligues. La guerre de la ligue a fait. Parce que tu vois, Hambourg a quasiment plus de territoire, c'est Lunebourg qui a grossi. Le Magdebourg a grossi, j'ai l'impression. Le Brandebourg, pas tant que ça. Le Magdebourg, il était comme ça au départ, avant, et Brandebourg, pareil. En fait, avant la guerre des ligues, Magdebourg et Brandebourg se tapaient dessus, et Brandebourg a perdu. Et moi, je vais déclarer la guerre à Magdebourg, je pense. Je vais voir pour faire ça très vite. 80 de Brandebourg. Ah, mais Brandebourg, ils ont que cette carte. Que je regarde. Donc, t'étais allié à l'Ottoman et t'as refusé de rejoindre. Non, je suis pas allié à l'Ottoman. Hein. T'es allié aux Russes? Bah, il était. Bah, ils sont quand on déclare une guerre sans prévenir. Je sais pas pourquoi je dois rejoindre. Bah, moi j'ai rejoint tout de suite, hein. Jamais j'aurais trahi un allié de longue date. Oui, mais j'ai un accord avec l'Ottoman aussi. J'ai un accord avec l'Ottoman par rapport à ce genre de. Mais attends, ça fait pas un énorme malus Si. Bon. T'as quand même un malus. Si, tu dois avoir un énorme malus de réputation diplomatique et de prestige ou un truc. Tu dois avoir des malus quelque part, je crois. Bah, j'ai pas eu grand chose en fait, parce que j'ai toujours ma stabilité, mon prestige. Non, mais la réputation diplomatique que tu peux avoir doit être foireuse. Non, attends. J'ai un intérêt national moins 1, mais c'est tout. Tiens, fais voir, Van Rijn. Par contre, j'aimerais quand même bien passer une fois en âge d'or, pour mieux plaisir. Ça va, je suis pas en retard au niveau tech. Moi, je suis une grande puissance. Ma Zeltov. Oui, ça va, j'ai. D'ailleurs, un truc à redemander mes chers collègues. Ouais, je pense que je serais pas loin d'être une grande puissance en fin de partie, je pense, moi. Comment savoir ce que rapporte la chasse? Venez, je t'ai envoyé ma petite diplomatie habituelle.
suite à des changements de dirigeant. Merci. Ah mais tiens, attends. Et il me semble que la Bohème, nous n'avons plus ceci. Oui. J'ai un mariage royal. Tout à fait, sinon. Je te renvoie ça tout de suite. Merci. Ah, c'est pas rapide, hein. Tolérance, puissance des missionnaires, ouais, ça me va pas. Si ça, je peux le rétablir assez vite. Ah, l'Espagne qui a déclaré la guerre au Portugal. Ouais, je pense qu'il va vouloir former une Hispanie. Ouais. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait sauter de son rôle de grande puissance ? Ouais, du coup, le Portugal n'existera plus, mais le Portugal portugais existera. Et Rio de Prata, pareil. Alal. Oh, je vais pas prendre du retard sur ça. Je peux pas me le permettre. C'est 10, parfait. Économiquement parlant. Chercher là. Oh, très bien. Comme ça, je devrais pouvoir aller chercher un conseiller. Oui. Elle s'est fait bouffer. C'est une disquette de... Et du coup, la traite. Bon, faut que je vire des pays de cette koa pour être plus tranquille à terme. T'en as qui rejoignent ou c'est... Non, globalement les pays qui voulaient rejoindre ont rejoint. Donc petit à petit, tu vois, le Verden a pas un gros malus de relation avec moi. L'Oldenbourg, si vraiment il me fait chier, bon, un peu comme le Verden, quoi, ils sont un peu trop mes voisins pour faire les malins. Ah, ça doit être la fin de la soirée. Bah, non, il reste encore 5 minutes. Oh. Ah non, c'est peut-être Venarak qui crash plutôt. Non, il est toujours là. Vena, tout va bien. Ah, il est occupé à écrire. Dans le Discord. Je peux plus bouger mes troupes et cliquer sur mes provinces. Ah. Ah, attends, je vais prévenir les autres. Bah, du coup, on va s'arrêter là, hein, je pense. Oui. Ah, oh, purée, c'est con, j'allais déclarer la guerre. Tu voulais déclarer la guerre à qui, toi ? Magdebourg. Tu veux un coup de main ? Non, bah, tu risques pas d'avoir une koa sur la tronche ? Bah, si je viens t'aider. Enfin, bah, pas si je viens t'aider et que je ne reçois rien en retour. Hein. On va s'arrêter là, Venas, que tu t'attends 5 minutes, le temps que Kayo et Tef terminent leur bidouillage. Je peux venir sur Doro. Entendons-nous sur ça. Je peux venir t'aider, mais je prends pas de... D'accord. Je prends pas de territoire. Ouais, de la thune. Lâche-moi de la thune, c'est sûr. Ok, bah, moi ça me va, écoute... Vous se demandez par Marlex maintenant. Ouais, ça va, mais de toute façon, on s'arrête là, Vena. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc pas de problème. On continuera la fin. C'est trop beau. Si tu vois le commandant que je viens de choper. 3-3-3. Non. Un feu, 5 de choc, 3 de manœuvre, 2 de siège. Putain, ouais. Faire l'entraînement pour professionnaliser les armées, ça fait du bien. Tu m'étonnes.
Bon bah... Ouais, on se rejoint tous en général. Ouais, tous en général. Ouais. On a eu deux grosses guerres, hein. Ah, mais sérieusement, chapeau. Celle-là, hein, mais Michel... On a eu deux grosses guerres. Sérieusement, j'ai rien vu. En tout cas, Caillou, il a deux belles. On a des grosses guerres, là. Hein. On a eu Cécilon qui a déclaré la guerre à Vonarak, et Tef qui m'a déclaré la guerre. Ah ouais, putain. Et allez, c'est parti, hein. C'est... Ah, mon Dieu. Hey, attends, y a l'Ottoman qui attaque le Russe, j'ai un appel à la guerre, moi, hop, j'y vais, j'envoie mes troupes. Elles étaient en Autriche, hein, mes troupes. Hein. Et moi, je peux te dire que les armées suédoises avaient tout de suite rejoint les armées russes pour être prêtes aussi en cas de problème. Esther Ben en panique, hein. Mais qu'est-ce que je dois faire? Surtout que j'ai un accord avec toi par rapport à ça, donc je suis allié avec le... Ouais, c'est... Ah, je te cache pas que quand Sterbern m'a annoncé « Ah, j'ai un accord avec l'Ottoman !» J'ai fait « Ah, on va peut-être laisser des armées pas trop loin !» Ça, t'as dit ça, Sterbern? Quoi? T'as dit ça, Sterbern? Non. Tu te souviens de la dernière phrase que je t'ai dit dans ce que je t'avais raconté? On ne doit pas dévoiler ses plans secrets. Encore mieux, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui le sait, c'est caduc. Ah bah maintenant tout le monde le sait. Okay. Oui, tout le monde le sait. Merci Sterven. Ouais, mais ça repassait quoi exactement? Bon, prends-les pour des andouilles. Allez. Non. Bah si, c'est fait. Si, félicitations. On va dire que la Pologne est neutre dans tout ce qui se passe. Oui, mais bah, la Pologne elle va peut-être pas pouvoir rester aussi neutre qu'elle le pense. On va t'appeler la Suisse, toi, si ça continue. Hein. Moi je veux pas dire, mais moi la Bohème... Je peux rester neutre, j'étais allié à aucun. Et pour le coup, c'est même pas moi qui ai décidé de rompre l'alliance avec le Russe, c'est le Russe. Toi, la Bohème, t'as une tête envers le même look, hein, ne l'oublie pas. Envers tous les pays, hein, donc on se voit. Mamelouk qui t'a passé du JPO ouais, pendant 10 ans. Écoute, t'es envers le Mamelouk, donc tu te mets à genoux, s'il te plaît. Alors là. S'il doit rembourser tout l'argent qu'on lui a donné, il en a pour un moment. Pas se mettre à genoux. On va négocier ça à la minute. Pendant la guerre, quand il y aura une guerre avec le Mamelouk, guerre mondiale, et que je serai neutre, discretos, j'enverrai quelques sous au Mamelouk. Les couleurs de la Bohème et du Mamelouk, c'est à peu près les mêmes. Hein. Ouais. Ah bah écoute, moi la couleur de la France et de l'Angleterre, c'est presque les mêmes hein, pour moi. Hein. Regardez. Ah bah ok, ça bouge pas, j'arrive. Bon, moi je trouve que le Bohème et le Russe, Regarde. Moi je dirais que la France devrait être rendue à la Grande-Bretagne, à Marlex, tiens, parce que c'est presque la même couleur. Bon, de toute façon, la Grande-Bretagne, c'est une colonie normande, hein, que tout le monde connaît la blague. Par contre, il paraît qu'en Grande-Bretagne, on mange japonais en ce moment. Oui, on a découvert du thé. En Grande-Bretagne, on mange ouais, la gâchette, tous les on a pas mal brûlé, ouais, mais surtout, on est un peu convertis. Culturel. Voilà, en fait, la Grande-Bretagne, son objectif, c'est de pouvoir cuisiner partout, quoi. Tu découvres un territoire, tu veux poser ton drapeau dessus, il y a un drapeau déjà anglais qui est en train de flotter. Mais il mange pas encore indien, pour l'instant. T'as peut-être un peu trop épicé, je pense, pour lui. Attends. Le seul territoire qui reste, c'est la Lune, hein. Va falloir se brouiller avant d'y aller, avant d'... Moi je trouve que Marlex il réussit bien sa partie quand même. Ouais, il est sur une très bonne partie. GG à toi. Hein. Par contre, quand l'Espagne a attaqué le Portugal, je pensais que l'Espagne allait prendre des territoires portugais, mais pas du tout. Il en a peut-être fait son vassal. Je crois que c'est sur des territoires coloniaux qui. Ouais, c'est ça, c'est sur les colonies. Ah, ok. C'est plutôt bien joué, même Johnny, d'aller chercher des territoires coloniaux comme ça. Espagne. Beau mouvement, ouais. Ouais. Quand même... D'ailleurs, il y a un moment donné, il n'y avait pas une guerre dans les colonies anglaises, là. Il y a toujours des guerres. Ouais, l'anglais, il a une tendance belliqueuse avec les locaux. avec tout le monde. Ouais, un anglais qui n'est pas conservateur et sans sel en plus. Sinon, l'Autriche a déjà été découverte et a déjà été colonisée. Ça va pas tarder en fait, attention. Moi j'ai même entendu dire que c'était un empereur. La nourriture est trop fade là-bas. Oh, c'est vrai que la choucroute. Je vais juste couper mon live et je reviens tout de suite. Ça marche. J'avais planté le bâton bohémien.
Bon, et bien sur ces petits soucis, bon, c'est quand même bien sorti. La Suède est quand même protestante dans les grandes lignes. On a vassalisé la Frise, on a bon à faire une Coa. Visiblement, les guerres humaines vont vraiment là, ça va démarrer assez fort, je pense, avec cette première tentative de l'Ottoman. Donc, on va se préparer tranquillement, et moi je vous dis à la prochaine. On risque de ne pas avoir beaucoup de streams pendant les vacances, je vais être en famille, c'est normal aussi. Du coup, il y aura peut-être 2 semaines avant le prochain, avant la prochaine session de PPO. Mais je vous remettrai sur le planning, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toutes celles et ceux qui ont suivi le live, et moi je vous dis à plus tard. Salut, salut!